Une revanche personnelle. Le web dernier, nous avions raid une team française que nous avions battue en on. La fierté avait pris le dessus, et cette fameuse team a décidé de se venger en nous raidant en off à 6h du matin. Des messages pour nous provoquer en nous poussant à revenir lors du prochain wipe. Sauf que vous me connaissez, je n'ai pas le temps d'attendre, et en quelques heures, une de mes plus belles vengeances va avoir lieu. Et soyez prêts, car personne ne s'attendait à un tel scénario. Ils sont bien où vous pensez, hein? Vous faites dingue, hein? Oh, le M2, elle fait mal, hein? Je m'occupe de rester. Les tourelles! Non, mais tu peux aller off. Tourelle off. Oh, sérieux? Descends. Wouah! Imagine, c'est déjà au point à parler à l'autre team. Ouais, on les raid, tu vois, on organise un vrai truc. Mais j'ai pas de contre. C'est pas grave, tiens. Oui, trois de coups. Mais juste avant l'aventure, place au sponsor du jour, Call of Antia, un jeu magique et joliment réalisé qui vous fera découvrir un tout nouvel horizon et que tout le monde pourra tester. Mais avant tout, laissez-moi vous introduire l'histoire. Vous combattez dans des batailles épiques dans cette aventure, mais il vous faudra un élément très important, Naya Gem, l'élément indispensable qui vous fera développer votre puissance et pouvoir tout détruire sur votre chemin. C'est un élément magique qui aidera vos héros à accumuler de la puissance et qui facilitera une compétence ultime pour gagner vos combats. Vous pourrez donc, grâce à Naya Gem, utiliser votre propre super puissance. La lumière, les ténèbres, l'eau, le feu et la nature. De quoi utiliser l'élément dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Antia, le mien, c'est le feu. Vous pourrez donc déclencher votre magie en plein combat, selon le pouvoir choisi. C'est incroyable car selon la magie utilisée, une situation épique se produira, avec la magie de glace qui congèle tout sur son passage par exemple. La superpuissance est donc indispensable dans les combats, puisque vous pourrez rapidement prendre l'ascendant sur vos adversaires. Le combat deviendra de plus en plus intense et magique, si le pouvoir est utilisé stratégiquement. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'après avoir découvert le jeu plus en détail, Antia, le mot qu'Alia ne cesse de citer, est le personnage principal de Call of Antia, et vous serez surpris au fur et à mesure de l'aventure. Un jeu qui vous fera passer de très bonnes journées en assistant à des scènes majestueuses et en découvrant de mystérieuses légendes. Des batailles fascinantes et stratégiques qui vous fera voyager dans un autre monde plein de défis et d'accomplissements, avec les dragons qui est l'arme secrète des batailles qui seront vos alliés pour vaincre tous vos ennemis. Vous pourrez également, pour les plus aguerris, combattre en ligne entre les guerres des alliances, combat 1v1 et titan déchu. Enfin bon, le jeu dispose d'énormément d'éléments que vous pourrez surkiffer, car je ne vous ai pas tout dit, et je vous invite à aller voir tout ça par vous-même. Surtout que plein d'événements vont avoir lieu pour obtenir des objets gratuits, donc c'est le moment. Pour les 500 premiers qui activeront le code promo RAVEN, vous recevrez une récompense spéciale, 200 gemmes, 30 points d'énergie et 30 000 or pour démarrer le jeu. C'est une promotion limitée, donc n'attendez pas. Sur ce, bonne vidéo. Il est 16h30, l'aventure vient tout juste de commencer, et l'objectif est très clair. Démarrer avec une intensité maximale pour progresser le plus rapidement possible. Et c'est exactement ce que l'on va faire. Pourquoi il y a un truc dans ses jambes, lui? C'est son zboub ou quoi? C'est quoi ce bordel? Je vais me rapprocher un tout petit peu. Nice. J'ai mis du tissu, j'étais tout mis. J'ai du champi si tu veux. Non, t'inquiète, moi je suis full, il m'a pas mis une seule flèche le mec. Oh, il y a un arc lui. Et il y a une lance. Tu te laisses un lit sur lui si tu veux. Oh, impeccable, j'arrive. Comme ça j'ai gardé. Oh, l'arc en face. Comme ça, ok. Et à prendre la hauteur, je pense. Putain, j'ai lui déjà une fumée un shot. Oui. Ok. Je prends la hauteur. Hit. Oh, il va me la mettre. Il est mort. Les vivants. Prends le tissu. Vas-y, je mets heal. Oh, en face. J'ai encore des champis si tu veux. Ouais, je vais bien. Histoire que. Oh, bah, il vient sur nous. Hit, mort. Oh, boum! Oh, il était pas content.
carte verte plus wesh. Carte verte plus un tech trash. En bas à droite, non. Ok. Si t'as besoin de tissu ou quoi, dis-moi, je te fais au cas là. Non, c'est bon. J'ai tout au sol. Ah ouais? Mort. C'est vraiment un enfant, non? Ah non, j'ai jeté un au sol. Ouais, c'est bon, j'ai équipé. Un star d'anthologie se préparait. Nous sommes pour le moment sur une très bonne lancée, mais il ne va pas falloir être trop confiant. On doit build la base le plus vite possible pour éviter tout problème. Si tu vois des autres, tu le dis. Il y a un clan. Oh, un clan 2. Vas-y, vas-y, on build, on build, on build, on build, on build, on build, on build. On build, on a le temps. J'espère que ça va pas être galère. J'ai pas pris mes. J'ai pas pris mes flèches, je suis débile. Oh non. Au coup près, au coup près. Alors lui il nous régale hein. Oh 350 scrap, cours, gambade. Pas ça, deux cafra gros surtout. Et scrap mon grand. Mec j'ai pas pris mes flèches, je suis débile. Oh non non non. Oh je suis enfermé là. Non mais ça va, je te libère. J'ai mis mes petits skins de four miteux là. Moi j'ai pas les BP hein. Y'a un naked derrière. C'est pas nous le naked derrière du coup. Non c'est pas nous. Touché. Non, non, non. Il est méchant lui hein. Nous sommes désormais tous réunis et vu notre progression, ça va aller très vite puisque nous étions situés entre la Sewer et l'Arctic Base, qui était d'ailleurs maintenu par un clan qui semblait bien plus nombreux que nous, et ce sont désormais notre cible numéro 1. Les mecs qui avaient maintenu une bonne trentaine de minutes la Sewer vont réussir à récupérer quelques armes cassées que l'on va instantanément réparer et utiliser pour notre progression. Mon objectif dans ce début d'aventure est d'analyser mes adversaires pour pouvoir ensuite les infiltrer ou même les raids, et vous verrez que mes plans fonctionneront à la perfection. Contact à moi. Une balle, bien joué. Putain, j'ai un peu whiff sur le volo. Il venait tuer quelqu'un. Si tu veux me faire la moitié avec ses balles. Oh bah il en a 24 gros. Ok garde, garde. Il fermait du souffle. Hein. Tu rentres ça Tiens, je te mets des trucs sur lui. Ah, je peux le banquer. Y'a personne qui a une pioche ou un truc comme ça là. Vous avez pas de pioche. Il y a pas de pioche sur lui. Un mec que je banque à la base. Je les vois là. Il y en a un qui arrive à l'Arctique. De mort, Arctic. Ils sont trois dans notre base, Raven, on peut voir ça. À l'arc. Oh oh. Petit problème avec le. Ça fait de la pierre. Ouais bah go aller tous vers l'Arctique et il y a masse minerai autour. On y va tous, il y en a qui gardent l'inté, l'XT et tout. Mais sortez tous armés, c'est rien d'être d'aller à l'arc hein, prenez une arme. Je pose SMG et tout. Moi je prends la custom, moi je suis. Y'a une MP5 que j'ai mis. Merci. Faites un locker à la montée, c'est important. Hey bro, stop. Au moins poser le locker, même si on n'a pas d'armes ou quoi, je m'en occuperai pour les crafter. Ouais. Encore un mec Tommy mort, faut venir sur moi les gars. Bah il est quand. Pas de bed. Si, moi j'arrive. MP5
Encore un mec armé, et les gars, j'ai tué 3 mecs là, 2 mecs. Je suis en train d'arriver, mais j'ai pas d'armes. T'as vu la Tommy? Je suis trop full sur moi, les gars, j'ai une ligne de steak d'ours. Encore une Tommy, ouais, j'ai des armes. Niveau efficacité, on pouvait difficilement faire mieux. Cependant, aucun fight réalisé face à nos voisins, pour une seule et même raison. Leur seul objectif pour le moment était de nous camper. Mais vous verrez par la suite que leur plan était très bien rodé. Mais pas de souci, ils décident de nous camper. Je vais donc en profiter pour infiltrer de la plus belle des manières leur base. Jamais je passe. Ils vont faire une base ronde. Il y en a au top. Je suis passé. T'as pas vu? Ils m'ont même pas vu, mais ils sont miteux. Hein. J'ai pas d'échelle, fais chier, sinon je serais monté. C'est en haut. Par contre, tu peux prendre tout leur four, les gars. Et j'ai leur hélico. Oh mec, je peux faire le move du siècle. Faut le souffle dans leur four. Les gars, faut qu'il y en a qui viennent armer, qui shoot le mec sur le top, s'il vous plaît. Je suis un peu poli. Arrive. Il y a la moto neige des voisins qui revient là à la base. Non. Ah bah. Ah. Good luck, hein, Raven. Je prends le mini maintenant, quoi. Dans la moto neige, ils sont tous. Il est tout seul ou ils sont deux? Tout seul, je crois. Il y en a deux d'entre eux qui sont à la rade. Parti. Qui reviennent au pied. Oh, dis-moi que c'est pour nous. Bah, fais gaffe, la moto neige, elle s'est arrêtée, Raven. Oh. Attends, je oui, c'est moi, un moto neige. En hélico. Je pouvais pas, il y avait encore 3-4 fours à loot, mais j'ai pas pu. Hein. Ouais, les gars, je vous jure, on va pouvoir le faire. Il y en a un qui arrive à la base. Il arrive de l'article. Je prends vite et je me casse. Yes, je suis passé. Est-ce qu'il veut que je dépose là-bas? Non, y'a pas, ils viennent de les. Oh damn it! Oh damn it! Bego begola! Bego begola! Bego begola! Bego begola! Bego begoli lili! Oh le bourbier! Ils sont partis au pire moment! Ouais. J'ai récupéré deux lignes de fragments de métal, les gars! Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? Là, il voit le tour rouge de fer. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ah ouais, mais il voit le tour rouge de fer. Non, mais attends, j'ai plus! Les gars, j'ai un inventaire de fragments de métal quasi! En fait, c'était stacké par 2000, je sais pas pourquoi. Bah, du coup, on a full métal. Bah, par contre, là, ils vont être énervés. Hein. Il y a les full mecs caca qui sont arrivés. Ah, bah non, tu peux. Il améliore en métal juste le deuxième étage et après. Dans la MP5 3 qui viennent, ouais, ils sont masse hein, à venir. Oh, on se fait raid, on se fait raid, on se fait raid. On calme, c'est rien, les gars. Hein. Ils pètent le wall. Tranquille, don't stress. Faut jouer intelligemment. Y'a un état, on peut monter tout en haut ou pas? Oui, si j'ai pas mis de trucs normalement. Mais bon, je crois pas qu'il y a ouais, après ils ont pété que juste de tourelles, de machin. Hein.
Pensez à fermer les portes, c'est important. Ils ont pas posé d'échelle encore. Ah oui, il y a ta pierre est tombée en bas, viens, viens, viens. Oh, ils ont mis des échelles. Ah ouais ? Ta pierre en bas, ta pierre est en bas, ta pierre en bas, ne t'inquiète pas. Hein. Il passe par en haut ? Je crois. Vous avez fermé toutes les portes en haut, hein ? Non, oui, j'ai tout fermé, moi, mais il n'y avait pas beaucoup de portes là-haut. On avait le deuxième et le troisième, il y a quasiment un, je crois. Toi, je vais mettre full lourd. Je vais retarder, hein. J'ai tué deux accueils, une MP. Un mort ? M'en fous, je les requête à jouer, hein. Vu leur jeu, gros. Encore un mort ? Ils ont pas cassé, y'a pas de porte. Ah, tout tué, gros ? Oui, il doit être mort, hein. Ah, ils sont masse, T'es mort ? Ouais, mais tu peux me relever normalement dans la porte. Si, si, tu peux. Ah bah non. Y'a un shotgun trap, les gars. Sur la montée, y'a un shotgun trap. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les gars. Y'a un shotgun trap en dessous. Simone, je suis à côté de toi. J'ai pas d'armes. Putain, y'a du bois. J'ai refermé au-dessus, mais j'ai pas pu. Ils peuvent pas passer à la TC parce qu'il y a la T3. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et j'ai refermé le top où ils avaient à l'étage. AK mort sur le toit. Putain, y'a rien ici. J'ai aucun mec, mais il est pas mort. C'est rien. Bien joué, gros. J'ai des armes ici, ok, nice. Y'a masse armes ici. C'est bien. Bah, je suis full garaka, ça va barder. Là. J'ai réussi à refermer un endroit. Mais... Est-ce qu'ils seraient pas tous morts ? Non, un mort là, oui. Ouais. Là, j'en ai un kill. Hein. Vu tout ce qu'il y a sur lui, je vais le safe, moi. Hein. C'est quoi qui bloque ? Ah, je suis mort. Ils sont encore deux là-haut. Ils sont deux ? J'ai refermé à la T3, j'ai dû l'ouvrir. Un de mort. Aïe. J'ai refermé, Théo. J'ai refermé. Impeccable. J'ai full lourd sur toi. Ouais. Un de mort. Un lot. Oh, headshot it, hein. Un wounded. Les deux wounded, tu peux monter. Y'en a un qui s'arrive d'échelle. Y'en a un qui est sur toi maintenant. Et mon AK elle est tombée par terre, fais gaffe. Mon AK derrière toi. Et y'en a, fais gaffe, y'a peut-être pris l'AK, elle est chargée. Y'a un autre mec stuff qui monte maintenant. Et y'a une MP5 qui va monter dans même pas 5 secondes. Bon, l'infiltration ne leur avait vraiment pas plu, jusqu'à venir nos raids quelques minutes après le braquage que je venais de faire. Pas de pitié pour cette team qui nous avait campé durant pas mal de temps, et on finit par remporter ce raid défense qui aurait pu très mal tourner. On récupère donc le contrôle de la zone, et on va rapidement profiter d'un moment compliqué pour eux. Du coup, direction Arctique. Oh ! Je l'ai dépop ! Il est mort ? Un mort, non. Hein. Okay. Oh, il y a un monté derrière moi. Il me faut des balles, les gars, il me faut des balles. J'ai des balles, moi, si tu veux. Oh merde, Caroline. Il y a un mec sur la falaise qui revient. Sur la falaise, ils sont deux. Il y en a un sur moi encore. Mort, il bougeait pas. Allez, tu tites. Un mort encore. Il reste un mort encore. Encore un mort, moins 3. Sur moi les gars, il y a full corps. Je suis en train d'arriver. Mort, celui qui est looté. Il s'est fait back. Il s'en fout là, il 6-6, loot-les. Une seringue ici. Un double hit.
Je vais... Bah là j'ai toutes les armes. Bah, je vais rentrer. Bon, et puis ouais. Je vais essayer de les retenir, mais... Un triple. Là les c'est gars, en toi, c'est moi j'ai des armes. Encore un mort, MPS augmente encore sur moi, tu m'empêches. Oh le mec qui t'aime bien. Il est à la base, il manque de lignes. Moi j'avais encore moins une ligne d'armes. C'est bon, toi à la base. C'est bon. Bien joué ça, Styx. Je n'ai tué encore deux là. Bah si tu peux arriver à couvrir mon corps, j'arrive. Mec, en fait y'a un mec qui est passé. Oh il me pêche au... Ah je sais pas quelle arme. Non il s'est fait tuer. Il est nazmat. Ouais ouais tiens. Il est mort celui qui me pêchait. Ouais essaye de tempo, je me loot et c'est bon. Elle est en bas de la boule. Il est au niveau du roi. Il est mort. GG. Ah il avait tué la SMG que je disais. Bon, on venait de faire le plein d'armes, le meilleur moment pour nous d'attaquer la team que l'on venait de fight. Plus nombreux et sûrement bien plus full que nous, cette team semblait être au plus bas après l'enchaînement de kills que l'on venait d'effectuer sur leur team. Gift et Théo venaient de prendre le contrôle de leur base et la moitié de leur team était en cooldown. Ma mission est désormais claire, péter et safe l'ensemble du loot le plus rapidement possible en un timing bien précis. Ok. Ils ont full tour et l'on pourra tout piquer à part rien. Non, il a été sexé. Ah ouais. Vas-y, je roquette. Il me faut du coup de la cover. Hein. Je descends. Tu restes tout seul en rouge, je descends avec lui. Je suis avec lui aussi. Ah bah c'est bon. J'open 4 roquettes ici, Balek. Ouais, c'est vrai. C'est un 4 roquettes. Normalement, du top, vous avez une visue de nous, les gars. Montez sur le top. Vous avez les pickdowns et vous avez une visue sur nous. Ça pète pas. Quoi? Ça a pété au-dessus? Quoi? Ça va faire en dessous, merde. Au-dessus, y'a un mec? Mort. En deux. Un mort. Oh non! Je suis mort à gauche, y'en a. Ouais. Il me faut de l'aide. Mort. Avec deux lignes d'armes, Théo. Ah ouais. Une ligne d'armes. T'es un MP5. Moi je m'occupe du raid, les gars. Ils sont deux. Un mort, dead. Non, l'autre a un HP. Il est mort, je crois. Ouais, il est mort, c'est bon. Ouais, je suis descendu pour le loot. Hein. Faut que tu restes là au Six. Faut qu'on transfère. Moi j'arrive en équelle là. Bah, j'ai juste loot les armes. J'ai tué une Thompson. GP. Oh, mec, c'est tellement fou. Je vois pas. C'est toi en dessous de moi, jump. Shot. Il est mort. Il a shoté. Mais il était devant le trou, du coup. Toi, t'es caché où? Oh, ouais, j'étais à ma gauche, j'étais à l'intérieur, moi. Ça échelle. Il push. Non, il peut pas. Je galagne. T'es à combien de mètres, toi? Je les ai défoncés sur la montagne. J'ai mass hit. Un mort. Fiché. J'ai plus de balles, Six. Pistol, jet au sol, jet. J'en ai beaucoup, t'as. Jet. Il te manque un ou un kit. Ah ouais, mais je peux pas. Six, il est mort, il le colle pas. Mort. J'ai mort, hein. Il est encore un mort. Non, tu l'avais pas colle, t'étais mute. C'est vrai. T'inquiète. Il y en a deux morts. Non, mais il en reste un. Troisième mort. Il était Asmat bleu et je l'ai triplé. Une Asmat bleu morte. L'autre, je le saute dessus à l'espace 12. L'autre, je l'avais tué. Est-ce que je l'ai. Mais lui aussi, il est pas net. Il a sauté dessus à l'espace 12. Comment il rage. Il rage sur les gens, lui. Les gars? Ouais, moi je suis en train de péter ATC là. Ah, ça il est monté. Au-dessus, bah y'a un mec full gear au-dessus. Il va me tuer là. Tout en haut. À
5 sur ce type de raid, je pense que c'est clairement un exploit que l'on venait de réaliser. Et pour tout vous dire, ce n'est que le début car ce qui va se passer par la suite était juste inimaginable. Notre premier voisin éliminé, on est tombé sur les plus riches, donc ce n'est que de bon augure pour la suite. Une soirée qui se déroulait très bien, et malgré que la moitié de la team venait de déconnecter, une situation totalement improbable va se produire. Gift, qui est notre builder, décide de désactiver nos tourelles sur le top, afin que l'on s'accepte, sauf qu'au même moment, un Scrapelli plus Mini décide de tenter un top down. Oui oui, il décide de se poser sur notre toit, alors que nous avions des tourelles. C'est marrant. Non, ça c'est marrant, putain. Scrapelli. Oui. Oh non. Ah ouais. Oh, comment est-ce que je l'ai activé? J'ai peur pour le seum. Non. Sur moi. Je vais distribuer le coup de ça frite. S'il vous plaît, il est mort, conducteur mort. Conducteur mort. Ils sont tous morts. Notre enquête est tout. Ils sont en 2-3. Non, non, ils sont où? J'ai une maquette, ils sont morts. Oh mon dieu, c'est maintenant que j'ai des roquettes sur le top. Il y a des roquettes, hein. Attends, ce qui vient de se passer là. J'ai deux seringues. Putain, dommage, j'aurais quand même dû attendre. Il me voit. Il check, hein. Les double hits. Vas-y, recule-toi sur le top. Attends. J'ai loupé. J'en ai un. Oh non, toi. Il a une balle. Il est mort. C'est quoi leur nom? Attends, il reste. Il m'a roquette. Ouais, il a peut-être scrapé. Il est mort de l'explosion. Attends, je suis sur le top. Tous morts, suite. J'ai chié, les gars. Attends, René, c'est plus beau que ça. C'est quoi leur nom? Je suis là. J'ai des roquettes, Crow. Qui est mort en bas là, ouais là. J'ai encore un mini qui arrive. Non, jette la roquette, je vais laisser. Les gars, on a au moins deux lignes de roquettes sur le top. Hein. Non. Si. Bah, j'ai une bonne ligne lui aussi là. Il est crash. Ramène, dis-moi que t'es en train de stream depuis tout à l'heure. T'es en train de break. Oui, bien sûr. Oui. Mais attends. Et si bientôt tu as scrapé. Vient de se passer, moi. Tu sais, t'aurais activé 10 secondes plus tard, on avait besoin de rien faire. Tu sais, je t'entends scraper, je me dis c'est quoi ce truc encore? Incroyable ce qui vient de se passer. Ah mec, ils vont y avoir la haine contre nous. On venait donc de récupérer près de 3 lignes de roquettes en ne faisant quasiment rien du tout. Une soirée qui aurait dû se terminer ainsi, mais du coup, on décide de trouver une nouvelle cible pour notre deuxième raid du wipe. Les V2V qui nous avaient déjà raid le wipe dernier étaient un de nos voisins mais bien trop compliqués à raid puisque nous étions seulement 3, malgré que leur base semblait très intéressante. On décide de se rabattre sur nos voisins les plus proches qui étaient en dehors de leur base. Et ça va être un des raids les plus difficiles à maîtriser pour nous. Mais vous verrez, quand on a une détermination comme la nôtre, rien n'est impossible. Non. Ah. Allez, lock. Bon, un coffre de charbon, un coffre de compo, un coffre de soufre, quasiment. Oh. S'il y a un mini, je l'entendrai pas. Deux tourelles de craft déjà. Vous pouvez crafter des... Oh, des Tony. Vous pouvez crafter des ladders et monter sur plus. Là, il y a une ladder, ouais. Sinon, je peux pas faire. Si on peut, c'est obligé de descendre. Un mort. Il y a un mini encore. Il y a deux mini. Deuxième mort. Il y a deux mini qui vont se prendre. Ouais. Il a crash dehors. Ouais, il a. Encore un mort. C'est bon, j'accepte. Oh, ils ont une ligne de scrap. Vive ma mère, une ligne de scrap. Oh, j'ai envie d'aller les fight. Oh, y'a shoot gun trap, j'ai failli me le prendre. Y'a un mec full lourd qui a monté. Je suis obligé de descendre, je saute. Non, le mec full lourd, mort. Il est mort, le mec. Mec full lourd aussi mort, sur moi. Il était en bas, il était en train de te contourner. Ok, bah j'en ai tué un deuxième. Deux C4 et tout. Encore un mort. Ils sont montés 3 qui sont montés en haut. Oh, t'es aussi chaud. Je reviens à 4. Tout, fais gaffe dans ton dos, hein. Il vient de spray, il a tout loupé, mais... Il y a un sur la montagne, il y a un naked qui va sur l'autre. Il est sur le top, mort. Oh putain, 8 HP.
Instant mort. Un wounded. Un triple hit. Un mort. Il y en a un autre ninja. Il est mort. Ce que l'on venait de réaliser en l'espace d'une soirée était tout simplement parfait pour la suite de notre aventure. Deux raids et deux victoires, dont deux raids défense majestueusement remportés. La team que nous avions raid en tout début de wipe avait finalement laissé tomber leur base. L'histoire venait tout juste de commencer, et soyez prêts, car la suite ne peut pas être racontée. Vous la suivrez depuis mon personnage. À demain. Heures du matin. Si vous vous rappelez bien, le wipe dernier, une team FR sous le nom des CTRL avait été raid on par notre team, et à 4, l'objectif était le même, leur offrir un second raid pour qu'ils puissent tenter une seconde fois de nous défendre, sauf qu'ils n'étaient pas du tout du même avis. Étant sur mon live à ce moment-là, cette team n'avait aucun remords à nous streamhack. Malgré plusieurs tentatives de bait, le move était impossible, on décide de ne pas les raid, malgré que nous soyons que 4, et que leur pourcentage de win était très élevé. L'objectif est désormais tout autre. Enchaîner le tank pour d'une récupérer une M249, mais surtout choper des MLRS pour déloger cette fameuse team, car quand je vous disais qu'ils étaient H24 sur leur toit, ce n'était vraiment pas une blague. Je pars d'une tour, moi. Il y a personne qui regarde dans les détruits, comme ça. Si, il est mort. Mais t'as raison. Bah, excuse-moi. Tu viens framer ton boule. Tu veux rester là, Jeff? Vas-y, bah reste. Mais moi, les silos, y'a personne. Je suis trop mal placé, moi. Faut que je descende. Mais cache-toi en bas du bat. Ouais, c'est ça. Mets-toi dedans. Et après, en haut de ma tour, il va faire nuit. Je suis bien, moi. Imagine pendant la nuit comment je suis. Attends, si ça fight, c'est simple, les gars. L'objectif, c'est vous fighter. Moi, je me prends les loot et je me casse. Je me casse que s'il y a des MLRS ou vraiment une M2 ou des trucs comme ça. Y'a une asmat. Et ouais, en fait, ils sont trois. Y'a trois asmat autour de ton bat. Là, y'en a une à ta droite. Droite en sneak. Y'en a deux à ta droite en sneak. Derrière toi, Raven. Mort sur le top. Au sol, en tout cas. Ok, y'en a un. Encore un mort en dessous de moi. Et l'autre. Y'en a un qui va rentrer dans ton bâtiment. Il est à l'entrée du bâtiment. Mais y'a qu'une entrée, il est. Là, en dessous de moi. Ouais, si tu le vois pas, il est rentré. Et y'en a un, il est derrière le bâtiment. Tout derrière. Asmat noir. Il reste qu'une seule caisse éteinte, je crois. Vas-y, je saute. Elle est... Garde une vie sur moi. Je descends. Ouais, Ils m'ont entendu sauter. Là, je l'ai vu, à droite du bat. Il est mort. Il est mort. Headshot, double headshot. Bah, je sais pas, je l'ai headshot, je pensais que vous l'aviez hit. Non, moi, j'ai tout loupé comme merde. Il est mort. Moi, il y a encore un mec là en dessous de moi, je le vois. Si MLRS. Il est dans le bat. Pas d'M2. Shit. Pas d'M2. T'as eu les 3 caisses. J'ai tout. Et si MLRS et 5 incendiaires et tout. Bon, double shot. Pas eu plein de réveil. Oh, mon AK, jamais je la retrouve là. Pas de lampe. Si elle fait la lumière. Ah, c'est bon, j'ai. Il est mort. Je pêche. Y'a son mate de l'autre côté. Un tir cycleur. Ok, j'ai. Il est côté droit ou gauche, je suis bête. Attends, c'est toi en dessous de moi? Ouais, je le vois. Ah, bah, tu l'as vu. Il est hit encore? Il va back, il va descendre. T'as qu'une roquette là? Ouais, j'ai essayé, mais. Il est descendu hein? Il y a le 96 AK là pour quelqu'un. Hit. Dasmat? Je le vois, ils sont tous les deux. Headshot! J'ai headshot l'M5. Ah bah, j'ai headshot le mec face mask. C'est 4 roquettes. Balle de merde.
les ai entendus. Non, on se fait camper. Oh, les gars, il me faut de l'aide, hein. Je suis en train de sortir de la base. Un mort. Des morts, des morts. Faut juste les looter. C'est moi, c'est moi, c'est moi, Coco. Tu carries trop le Raven là. Ok, ok, ok. Mais regarde ce que je viens de tuer un mec avec un. Ah, tiens, quoi. Bien joué, gros, tu m'as fait peur. J'ai tué Arctic. Wesh, d'où il a un stuff comme ça, lui? Il a tué un mec Arctic, à d'accord. Lui, c'est Aura Corin, un abonné qui a tout simplement souhaité faire une tour en cas de raid off sur notre base. Du coup, c'est désormais notre collègue. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Une fois les MLRS récupérés, il nous fallait la cassette pour pouvoir les utiliser. Du coup, direction la plateforme pétrolière. Ah oui, il y a tous les bots qui ont été faits là. La large. On a encore un juste en face là. Maman m'en bat les couilles. Il est redescendu. Tellement compliqué. Mec. Oh, je suis raqueur. Mais bah pas ça, encore un poc-poc. Ah. Je vais ça. Milo. Ok, j'ai pris toutes celles qui sont en haut du coup. Il y en a 5 en haut. Mec, y a pas un seul. Encore un peu 3 poc poc. Quoi? Encore un poc poc. Non non mec 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 mec. Quoi poc poc? Mec, j'ai sauvé 4 poc poc. Ils étaient tous les deux autour de la cheminée si je me trompe pas. Ah bah. Il est mort. Ah. Oh, y'aurait ça. Go. Ça, ça, ça c'est pour le best-of. Tu penses quoi, tu penses quoi, tu penses quoi? En 2 jours, le braquage venait d'être effectué. Avec en moyenne 4 joueurs de connectés dans la team, notre progression était spectaculaire et on sait que toutes ces actions nous seront récompensées. Et ça ne va pas tarder. Gif nous avait build une excellente base pour 4 joueurs et on décide d'enchaîner avec un 3ème raid. On sait qu'une guerre sans merci ne devrait tarder et ce raid pourrait nous permettre de se préparer à l'anarchie. On n'a donc pas le droit à l'erreur. Je roquette en middle avec Gif. Sur on, hein. Faut qu'on pète vite. Gif, on pète ici. Décalé. Faut vite qu'on descende en fait, avant que... Ça ouvre pas. Y'a eu Raylog? It's a troll, it's HV bro, no problem. C'est pour pas que c'est tout de quoi que ce soit, y'a une loot room en bas, je vois. Ah bah d'accord. C'est d'où ça? Il est mort. Des fenêtres. Faut qu'on bête. Tu peux revenir ou pas? Bah à pied ouais. Que je bridge? Non. Il faut qu'on bloque toutes les entrées en fait. Vas-y, quoi, tu une roquette en bas, je vais bloquer les entrées. Le métal, on est d'accord. Tiens, ouais, tiens. Oh, c'est vraiment, oh, tu m'as TK, non? Ouais, mais t'es passé devant moi. Jeff, tranquille, mets-toi sans, je peux te dire. Tu veux pas prendre l'éolienne, gros? Caroline? Y'a un naked? Pas sûr, je pourrais monter. Hein. Non, mais ça a rien, l'éolienne, je vous couvre rien du tout. Vas-y, quoi, tu une roquette? Je vais faut que j'incendie les remonter là. Faudrait que t'éolienne à côté qu'on aille le chercher. Jeff, je t'ai mis. Je vais chercher Théo, c'est bon? Ouais, ils sont dans les. Ah, ouais, je suis mort aussi, je suis down. Vous deux? Il est mort? Putain. Tu peux me. Ouais, mais là. Ouais, je sais pas. Théo, t'es là? Ouais. Mets-toi, c'est un chien. Je vais monter là, devant. Je sais, juste. Il est mort. Ton rocket launcher, il est au sol. Faut qu'on roquette. Je vais incendier leur entrée, ok?
cap pour me chercher. Et les garages d'or en bas pour les. Ah ouais, ouais, ça doit être là, ouais. Attends, on va roquette. On va bien roquette, faut bien bien ouvrir. Il en reste beaucoup des roquettes. 4. Il va nous falloir un bridger, les gars. Je vais être... Non, oh, attends, on va pas ouvrir bien, comme ça on a l'info. Attends, attends, faut pas qu'on reste bloqué. J'ai pas assez de roquettes, moi, hein. J'ai 4 là. Continue. On va ouvrir à l'intérieur pour voir s'ils sont en dessous. Il est mort. J'ai pas entendu ouvrir, my bad. Un qui garde une vue sur nous, les gars, s'il vous plaît. Quand même, au cas où. Je regarde vers le bas là. Oh, putain, bon. Là, ça va être dur. Je vais incendier leur montée. Les restes ? Non, 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 on loot, on se casse, nous. Ma bête, ok. Montez de la lolo si vous en avez, y'a plus rien dans les murs. Ah, si, c'est bon, ça. Il est mort. Vas-y, je vais aller chercher. Jeff, va spawn à la base. Lui, la balle. Y'a un mini qui arrive droit, dessus. Bon allez, dégagez de là. Bien joué, bro. T'as besoin d'aide? Ouais, ouais. T'as à chaque fois, c'est un de chez nous qui arrive à garder. Hier, c'était fait. Pareil, dites-vous, les gars. À chaque fois, y'en a un de chez nous qui arrive à rester jusqu'au bout. Et qui carry, sincèrement. La guise, tu l'as géré. Ouais. C'est bon, je suis gardé quand même quelques enquêtes pour là-bas au cas où. Y'a un naked au-dessus. Ah non, pardon, j'ai cru que c'était un naked. Ah, y'en a un dehors, la MP5. Je pète les deux dernières portes de garage. Et comment ça te fout, le OGF? On va aller faire le transfert. Ça va au-dessus ou t'as donné un coup? Non, ça va. Je vais changer roquette, les gars. Oh, y'a 5 mecs stuff au-dessus. J'ai leur bed. Ok, il a vu. Tu veux que. Ça y est. Okay. Allez, là, y'a 2 mecs en 350. Ça va faire mec. Jeff, monte ici sur l'échelle et garde à ligne. Est-ce que je peux descendre là pour aller chercher des balles? Oui. Ça devenait donc une habitude pour nous. Troisième raid et victoire pour notre squad qui était actuellement à 100% de réussite. Comme je vous le disais, ce raid était obligatoire pour l'anarchie qui allait arriver. Notre confiance était également en constante progression et au niveau de notre cohésion, on ne pouvait pas mieux faire. Après nos deux raids défense remportés, cette fois-ci on passe à une étape supérieure. Les V2V qui nous avaient déjà raid le wipe précédent a décidé de retenter leur chance. Une team française que je respecte énormément, mais là, nos vies sont en jeu. On ne leur fera aucun cadeau. Okay. Par contre, un seul one shot, c'est chelou. Non, ils sont plusieurs. Ne paniquez pas, ok? Oh. Oh, je suis mort. Là, ok, attends, c'est un peu plus de concentration. Oh, gosse 60, let's go, les gars, good luck. Ils ont l'air d'être beaucoup, les gars. Oh, oui. Ils sont déjà à la. Oh, ok. Un mort, full dead. Ils sont déjà où vous pensez, hein. Ils ont pété dingue, hein. Oh, ouais. Oh, le M2, elle fait mal, hein. Je m'occupe de rester. Les tourelles. Non, mais tu peux être off. Tourelle off. Sérieux? Descends. Les sticks sont montés sur toi. Je laisse pas. C'est wall? On Alexté. On okay, Alexté. Déjà... Attends, Alexté, ils ont déjà pété une tourelle. Les portes de garage à l'arrière, les. Enfin, ouais. Fermez les gars. Je ferme toutes les portes que je vois devant. Ok, Torlo. Faut fermer un qui s'occupe de fermer, les gars, s'il vous plaît. Un qui s'occupe de fermer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. T'as des petits coffres après. Même toi, Stix, hein. Faut qu'il y en a plusieurs qui ferment. Hein. Okay. C'est notre seule chance de win. La base est trop petite. On va faire down. C'est notre seule chance de win, les gars. En fait, un
mort encore. C'est mort. Encore plus dead. Ils ont des tourelles, je peux pas lancer leur roquette. Oh, il m'a dépop le M2. Bien joué. J'ai pas le choix. Ah, je suis en train. Mais... j'avoue que j'ai plus mis le M2. Encore mort, dead. Une tourelle, je peux pas loot leur corps. Ouais, les... si on veut win, faut les loot en fait. Ouais, je sais, mais t'arriveras pas jamais. Ouais, y'a des tourelles. Faut fermer, c'est bien, c'est mal à rester. C'est qui, mon gars? Tu gères celui qui réussit là. T'es le boss. C'est grâce à toi qu'on va win, c'est toi qu'on va win, sache. Mec, il régale Corin Corin. Tu sais, je fais comme je peux. Hein. J'ai pas mal refermé. Ah, il m'instance. J'ai un poc-poc space douce. Enfin, balle machin. Y'a pas de problème. Mort le game 2 au fond? Non, pas mort. Headshot double hit, je crois. Non, je l'ai pas tué. Non, je l'ai pas tué. M2 dans, sur le top. Ah, c'est vrai. Mort la canne dans les vols. Oh, je suis mort. J'ai buté ma snake. J'ai sans dire leur bête. Ok, c'est bon, leur bête est incendiaire. Je me suis fait tuer par une M2, mais leur bête sont incendiaires. Mort le mec AK. Le mec M2, les gars. Ah oui, M39, t'as raison. Le mec M2, je sais où est-ce qu'il est. Le mec M2, il est derrière en 220. Je l'ai tué encore le mec au fond, il y a moins 3 là. Tu me relèves? Oh oui, merde. Excuse. Pas grave. T'as des HP sur vraiment un GF. Je vais tuer. Ah, je suis down. C'est un naked. Hein. Un mort. Encore. Il y a un GF. Viens, viens, viens. Encore. Et allez, tu roquettes, tu te roquettes. Dans ta gueule. Il y a 28 dans, là, dans les walls là où t'es revenu. Un mort encore. J'arrive. Encore un mort. Oh mais ils ont tellement tourelles. M2 qui est de retour. Encore un mort. Mort le game 2. Je suis dans la base hein, je suis full deep hein. Encore un mort. Oh full deep. Non, il y a aussi, fais gaffe, t'es capa. J'ai une tourelle. Je sais. Mais Game 2 était où? Je l'ai tué derrière mort. Il a pas tué. Pas parcouru. Encore un mort. Là la M5 j'ai tué encore. Si j'en avais tué deux gros, sûr. Ce deuxième jour venait donc de se finir de la meilleure des manières. Premièrement, je tiens à dire un gros GG à la team V2V qui nous ont offert deux fois de suite un Redon. Dès qu'on a la possibilité, on leur rendra. Mais d'un swipe, un challenge bien plus gros nous attend. Les CTRL qui nous avaient streamhack durant nos tentatives de raid étaient également venus titiller les V2V durant ce raid. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a une très bonne raison. L'objectif de demain est clair. Faire un énorme raid sur cette team qu'elle ne mérite pas forcément, mais j'avais vraiment besoin de les détruire pour notre fierté personnelle. Et si je vous dis ça, c'est assez simple. Le lendemain matin, les CTRL avaient profité de notre non-présence pour nous raid off à 6h du matin. Premièrement, assez lâche de leur part car ils nous avaient promis un raid on suite à notre raid sur le wipe dernier. Mais surtout, ils venaient nous provoquer par message. Étant donné que notre base était grief car oui, ils ne l'ont pas fait qu'à moitié, j'avais deux choix. Revenir au prochain wipe pour la revanche ou m'allier avec les V2V pour les éliminer une bonne fois pour toutes. Les V2V étaient chauds pour l'alliance, sauf qu'au même moment, les CTRL avaient pour objectif de les raid. Une opportunité de faire un des plans les plus stratégiques que je n'ai jamais réalisé. Construire la base de raid pendant que les V2V défendaient leur base. Étant donné que je les ai prévenus, le raid ne devrait pas durer longtemps, et après leur potentielle défaite sur le raid des V2V, l'enchaînement avec un raid de leur base ne pourrait que les achever. Le plan est clair, mais maintenant, il va falloir le réaliser. Gift, bouge un peu. Oui. J'ai niqué les leurs hélicoptères.
t'as niqué leur hélicoptère. Ouais. Comment ça? Ils sont connectés ou pas? Je les ai tués. Oui. Ouais, ils sont connectés, ils nous ont aimé les restes. Ah ouais, ok. Ah, oh, s'ils sont full, c'est incroyable. Rien qu'ils viennent noir dans peut-être, hein, parce qu'ils doivent. Venir ils allaient vous raid, ils allaient vous raid, regarde mon live! Ils allaient vous raid! Vraiment? Oui, oui, regardez mon live! Ils allaient vous raid. Tiens, chais. Connard. Bah alors ça raid off ici! Paramore? Oh, j'ai coupé le son du partage parce qu'ils m'ont off. Paramore, ouais, c'est des merdes, hein. Tu viens avec moi, JF? Ou Six? Moins 4, moins 4. Parce que, est-ce que je l'ai tué à droite? Par un mort. Oh, ils sont mal, je crois. Putain, oh, ils sont peut-être un peu trop finalement. Ouais, ils sont beaucoup, hein. On n'attendait plus que le feu vert des V2V. Une fois l'attaque des 7RL commencée, on décide de build la base de raid en espérant que nos alliés remportent leur raid défense. Sauf qu'un tout autre scénario va se produire. Ils ont appelé des gens, ça veut dire. Même en bas, ils ont éteint leur tourelle. Attends, faut que tu sur le déco là, reviens. Au pire, attends. Mec, ils ont. On a des coffres, on a des vraies bêtes ici. Mais attends, t'es au courant que là à la M2 je peux péter leur truc et péter les tourelles. Là, commencez à péter les MLR et les SAMSITE. Ça passe entre les machins Bah y'a pas de SAMSITE hein. Oh Louis, si tu te connais. Ici en bas, tu. Attends, est-ce qu'ils sont on? Ah ouais, mais j'ai pas de balles explos moi. Ils sont off. Lui, c'est sûr que je tiens. Vous avez les balles explos? Ouais, j'ai dans le coffre en haut. Ok, attends, mais j'ai oublié les tourelles. T'as les pitons et tout, t'as les tourelles et tout. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai les tourelles, oui. Ah bien, je vais les poser. Pose-les et moi je mets tout ce qui est dedans à mettre. Ils sont raides hein, déjà. Oui, ils sont raides, il faut y aller. Non, tranquille, GoPro on attend les gars, ils sont beaucoup. Marteau, du coup. Non mais tu fais quoi, Styx? Non, ils se font taper hein. Je vais sortir taper les MLRS hein. Non mais c'est rien, ouais, y'en a, Six, toi tu restes ici, nous on va aller les def. Ok. Ils sont tout open. Attends. Non, me dis pas tout est open. Y'a un shotgun, il faut y aller. Tout est open les gars. C'était sûr, tout était open. Lâche de seringue. Merci. Ok, tu prends, bah en gros, là tu peux descendre, c'est safe. Là aussi. Et je suis mort là, attends, non, descends pas. En gros, ah le shotgun il est en bas, comment on peut faire? Je descends, je shotgun et je remonte. Tu vas mourir par le. Là je l'hit. Ok. Faut que tout soit open derrière. Hein. Il va y avoir encore des shotguns, hein. Faites gaffe, hein. J'ai descendu. Y'a un shotgun. C'est encore open, tout est open chez eux. Vous voulez que je pète la SAMSITE ou pas? Au cas où. Non. J'ai tout leur bed. Je prends toutes les balles explos là. Bibi. Faut pas que je le tue, il faut que je le mette juste down. Ah. Y'a du monde derrière. Oh mon dieu, leur locker. Tu me dis Oh c'est courant. Non Corin. Oh non, cringe. On peut. Et ceux qui nous ont raid off? Je lag oui, un peu. Oui, ouais, je lag un peu. Tu m'étonnes qu'ils ont des lockers plus corrects. Oh mec, tous leurs lockers! Mec, ils sont pleins leurs lockers. Y'a pas des M2 dedans? C'est encore open. C'est tout est open. Ils ont tout laissé open. Non, mais alors eux, on est vraiment sur les cas quoi. Sur les débiles de service. Je descends ou pas? Ok, ouais, mais fais gaffe, va sur le côté à chaque fois, j'ai pas. Okay. La vie de ma mère. J'essaie de péter les bêtes hein, parce que là ils respawn et puis ils referment tout. Hein. Tout, on a tout jusqu'à la TC! Je fais quoi? Je pète les bêtes de loin là? Ouais, pète les bêtes. Non, attends, cherche dans les coffres de quoi péter les bêtes. Mecs, ils sont énormément dans leur base.
ça, ça marche pas. Michel, tu veux les balles explos? C'est bon, j'ai les balles explos, j'ai des balles explos. J'ai deux M2, deux M2. Dans leur mère, ça nous raid off, nous. Nous, ça nous raid off. Oh, deux lignes d'AK en bas. Par la base qu'on est en train de dire. Ce que j'ai vu, ça se passait bien. Ah ouais, bon, on va y aller quand même. On aurait pu s'arrêter là, mais nous voulions à tout prix les mettre au plus bas. Une fois le raid des VDV remporté, les CTRL vont donc découvrir ce qu'il venait de se passer. Sauf que ça n'était pas terminé. C'est bon. Tout est en bas, tout leur loot est en bas en tout cas. Raven, il y a ici là, il y a un mec, un EK juste en dessous au pic d'un là. Il est dans la 3 par 3 maintenant, il vient de rentrer. C'est bon. Tiens. Dernière, réactive les tourelles. Vas-y, mais je reviens fenêtre en vrai. Ah, c'est bon pour les tourelles, là, je réactive. Hein. Ouais. Vas-y, moi c'est bon. C'est nous, étage fenêtre. Hein. C'est magnifique, j'aime ça, j'aime ça. Ah, les dents, leur mère. Ah, ils étaient trop les malins, je vous jure. Arrête de fly, allez hop. Ah Guillaume, à mon avis, toi tu vas prendre une roquette, décale-toi. Vengeance Red Off. Wouah, imagine si Lucien a au point à parler à l'autre team. Ouais, y'en a une roquette pour les raids, tu vois, on organise un vrai truc. Et qui viennent nous raid pendant qu'on les raid. Non, non, de base, on a. Ah bah alors, ça raid off, ça la rage. Ça la rage. Tirez tous au même endroit. T'as la rage. On te home, défends-toi un peu. Ceux qui veulent rentrer. Bah allez, faut se défendre là un petit peu. Le mec a tiré la roquette, il a tiré trop haut là. Arrête pas dans les coups, ça sert à rien. Il mérite que ça, je suis désolé. Hein. Mais il mérite que ça. J'ai ouvert. On va en privé sur Discord. C'est bon, on va se. Ça sort à droite de leur base. Fais gaffe, ça tente, ça va péter derrière toi. Oh, fais tente, ça va péter. Ah, je vous jure, ils ont la rage. Hein. Ouais, bah j'espère bien. C'est open les gars. Oh bah continue à roqueter aussi. Ah, on peut vider hein. Ah bah c'est de l'autre côté de la base hein. Gif tes balles ils sont sur moi. Bah j'arrive. Bah tu prends les envoyer. Je peux te les Déjà prends ça, tu pourras faire Mais j'ai pas de cancre. C'est pas grave, tiens. Je suis à la tête. Oui, prends tout. Aïe, bien fait, franchement, c'est là où vous pétez et. Non, c'est pas ça! C'est moi, on roquette, j'ai vu, moi. Je pense que c'est open là, les gars, arrêtez de roquette, checker! Ouais, venez, on se check! Ah oui, là, c'est open! C'est open depuis un moment, on a dit, il faut continuer, il faut traverser! Travers, les gars, c'est bien! Nous, on est en blanc! Mort, il. J'ai tué quelqu'un, j'ai. Ah, c'est vous, my bad! Bah, c'est. Y'a la TC derrière là! La TC est là et c'est bon! C'est vrai! Bon, ok, moi, l'extérieur! Oh, ils avaient des 12 années là, ça. T'as le seum, t'arrêtes Wanda. Il a le seum. Aïe. En plus, carrément, offline, on n'est pas là, on a du notre base, vous êtes obligés de venir à plusieurs, deux teams. Franchement, je pense ça c'est du skill, mais allez. Alors mec, sache que je suis venu en... Non. Attends, laisse-moi parler deux secondes. Ça c'est un truc mec, je suis venu en hélico, tout était open dans ta base, donc arrête de dire de la merde, s'il te plaît. Je suis d'accord, mais quand même, tout était open, être obligé de... Bah mec, en fait, tu raid off, logique. Logique, tu raid off. Pas de pitié pour les mecs qui raid off. Je l'ai vu, il est en sud-ouest. Sud-ouest. Putain, je suis mort. Ah merde, c'est toi, mais t'as pas le tag V2V, gros. Non, j'ai pas le tag. Non, my bad. Ah, le bâton. En plusieurs là-bas. Il y a une AK contacté au compagnon. Allez, Marthe, la carte contact. Nice. Bon, et bien, finir une vidéo avec une fin comme celle-ci, je ne pouvais pas demander mieux. Revanche accomplie, encore merci au V2V pour cette alliance qui aura pu sauver notre honneur.
Les CTRL nous ont finalement donné rendez-vous au prochain wipe, donc on les attend. Sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. C'était Raven. Ciao, ciao.